Monsieur le Président de l'UFDG, Son Excellence El Hadj Sélou d'Alain Diallo, Messieurs les Vice-Présidents, Monsieur le Secrétaire Général, Madame la Chef de Cabinet, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, militants et sympathisants de l'UFDG, cette 19e Assemblée Générale Virtuelle s'articulera autour de trois points essentiels. Premièrement, la tournée de mobilisation, de sensibilisation et de remerciement du président Sélou d'Alain Diallo au cadre militant et sympathisant de l'UFDG du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Deuxième point, le sens de l'humanisme de M. Sélou d'Alain Diallo. Troisième point, sommet Europe-Afrique du 25 au 27 novembre prochain, auquel le président Sélou d'Alain Diallo est invité d'honneur. Quatrième et dernier point, la nomination de Ousmane Gawal Diallo dans le gouvernement de transition et les prétendus bisbilles au sein de l'ANAD. Chers invités, vous comprendrez aisément la particularité de cet autre rendez-vous virtuel qui a le mérite d'aborder encore et toujours l'esprit patriotique de l'UFDG et de son président engagé sur la voie du renouveau national qui galvanise toutes et tous dans notre combat pour la conquête du pouvoir politique. Avec votre permission, Monsieur le Président, venons-en au premier point. De la tournée de mobilisation, de sensibilisation et de remerciement du président Sélou d'Alain Diallo au cadre militant et sympathisant de l'UFDG du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Au titre de ce premier point, honorables hôtes, ici présents, et tous ceux qui nous regardent à travers le monde, vous avez suivi autant que nous la tournée de mobilisation, de sensibilisation et de remerciement du président Sélou d'Alain Diallo à l'adresse des cadres militants et sympathisants de l'UFDG du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Cette mission qui a permis à notre leader bien-aimé de faire part de sa satisfaction à nos braves représentants dans ces pays frères a mobilisé du monde et rassuré plus qu'un quant à la volonté du président Sélou d'Alain Diallo d'être toujours plus proche de ses compatriotes et de recueillir leurs avis sur ce qui doit être l'avenir de la Guinée. Ce ne fut qu'une étape dont l'un des mérites est d'avoir permis de réajuster la pendule de ce côté face aux grands enjeux de la vie politique guinéenne et notre volonté inébranlable de faire de la Guinée un havre de paix où chaque Guinéenne et chaque Guinéen doit trouver le plaisir de vivre dignement. Tel est notre combat de tous les jours sous la clairvoyance de l'Hadj Sélou d'Alain Diallo, président de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique. Ce marathon du futur président de la République de Guinée, Sélou d'Alain Diallo, a commencé dans la capitale européenne où l'homme d'État était venu évoquer avec ses dirigeants la situation de la transition guinéenne et des autorités qui l'incarnent, qu'il dit être jusque-là sur le droit chemin. Quoi de plus normal pour celui qui consacre tout son temps et toute son énergie à l'émergence future de notre pays? L'Europe s'est donc mise à l'écoute du président d'Alain et a bien compris ses aspirations combien légitimes. Qu'en est-il du sens de l'humanisme de Sélou d'Alain Diallo? À côté de l'homme politique, Sélou d'Alain Diallo est le symbole d'une humilité incontestable qui inspire de par le monde. En Côte d'Ivoire, où il est allé présenter ses condoléances aux hautes autorités, au peuple ivoirien et à la famille de l'ancien Premier ministre Feu Ahmed Bakayoko, également au Mali pour s'acquitter de la même tradition envers les hautes autorités, le peuple du Mali et particulièrement de la famille de Feu Soumaïla Cissé, ancien chef de file de l'opposition. Sélou d'Alain Diallo a démontré qu'il n'est jamais trop tard. Il avait été empêché par le régime
déchu de sortir du pays, le privant ainsi de son droit de se rendre à l'époque dans les deux pays frères pour présenter les condoléances d'usage tantôt à son nom personnel et au nom du parti, tantôt au nom de l'international libéral. Mais Dieu a tranché. Ces actes prouvent que Seydou d'Alain Diallo, une fois au pouvoir, au sortir de cette transition, c'est une Guinée réconciliée avec ses voisins pour fortifier la coopération sous-régionale. À présent, parlons du sommet Europe-Afrique du 25 au 27 novembre prochain. Le président Seydou d'Alain Diallo reçoit l'invitation de l'Institut Aspen France pour participer aux travaux de réflexion de cette structure internationale spécialisée. Alors, cette invitation est un honneur pour la Guinée et pour l'UFDG ainsi que pour la NAD. Autant dire que Seydou d'Alain Diallo a le respect et la confiance de la communauté internationale. Nous ne ferons donc l'économie de vanter les mérites du président, ses compétences, son côté rassembleur et son carnet d'adresses riche et varié, qui profiteront sous peu à la Guinée une fois que nous l'aurons installé au pouvoir à l'issue des élections générales que nous souhaitons inclusives et consensuelles. Pour ce faire, nous savons compter sur la bonne foi du colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État. Le quatrième et dernier point concerne Le quatrième et dernier point qui a été annoncé concernant la nomination de Ousmane Gawal Diallo dans le gouvernement et les prétendus bisbilles au sein de la NAD, il est important de rappeler que le CNRD a choisi Ousmane Gawal Diallo par le seul critère de compétence et de maîtrise de certains domaines. Nous tenons vivement à remercier Ousmane Gawal Diallo pour tous les services rendus au parti et lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions. Il faut également rappeler, quant à la transition, que nous formulons une fois de plus le vœu qu'elle aboutisse à la mise en place d'institutions fortes, gage d'élections crédibles. Enfin, aux colporteurs de rumeurs distillées à dessein, qu'ils sachent que l'ANAD se porte très bien et elle entretient une relation de confiance solide avec son président Seydou d'Alain Diallo, toujours à l'écoute de ses pairs pour l'atteinte de l'idéal commun, celui de bâtir une grande nation décomplexée est capable de regarder les autres pays en face dans un proche avenir. Pour le développement de ces sujets en langue locale, nous recevrons, mesdames et messieurs, respectivement, Aliou Younoussa Baldé, Monsieur Alpha Oumar Cissé, Madame Mama Sayon et Madame Wido Gilavogui. Ensuite, nous ouvrirons la rubrique invité spécial avant de vous présenter de nouveaux adhérents et de nombreux invités. Comme vous pouvez remarquer, notre salle est archi-comble ce soir. Puis, nous donnerons la parole à Madame Nadia Naman, chef de cabinet, pour terminer avec qui de droit, Monsieur le Président de l'UFDG et de la NAD, Monsieur Seydou d'Alain Diallo. Mesdames et messieurs, pour commencer, nous invitons Monsieur Aliou Younoussa Baldé, membre de la cellule de communication. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, militants et militantes de l'UFDG. On me charge de faire une intervention en langue nationale pour l'art. Arai. Militants de l'UFDG partout, quand on est dans Adnallan, il y a Hira. Alors, en Veltani, qui est Allah Handekari, qu'on est en photo de l'eau, fille au 19e Assemblée Générale virtuelle. Et les Congol, hélas, président Seydou d'Alain Diallo, avec les responsables de la direction nationale du parti. Alors, il y a un faux d'un Andi, président Seydou d'Alain Diallo,
bay woni faydi hitande be am pe chama yaltugo do ancien régime dictatorial be yalti be atori leyde porto be union européenne be yididi e union européenne be yewtide mabbe ko fewndi ko lagine parce que président Sélou Dalen Diallo ko responsable be heditabe kadunalla Afrique et partout dans le monde donc are be yewtide ben non fiye be wallito fi transition. Donc carré président Sélou Dalen Sifani Beno fewndori lagine ga donc carré be tori ballal Union européenne et toutes les institutions internationales dini yodi wallito en telem ma bangal fiyo transition meno lanira do avec le retour à l'ordre constitutionnel donc bay be yi don haré be hiltiti Afrique be ari Sénégal be tinti des responsables militants men UFDG wombe ben Sénégal donc be weltani be tel est ma combat donc parce que dans Manditi combat contre le troisième mandat toutes les fédérations de l'extérieur et de l'intérieur du pays be warno golle molanade président Sélou hewti donc sensibiliser be sifani be no situation fiondre der lending be tori kari jama jogondirde ara uditana UFDG bafé uditana jama fo bafé partion donc be mi donc be yari Côte d'Ivoire be yari kari Mali tobere di mere den aray ko banu adama yagal mabbe gal teddugal mo waran ko banu adama donc dun do ngandi na lagine do tun hatti donc aray la Sélou Dalen no andira jokkerendam gila be ar UFDG 14 novembre 2007 avant même ar de UFDG ibe andira jokkerendam donc aray yon andi say go fatunde yidi debi do Sénégal et Mali, Côte d'Ivoire et Mali. Donc, le président Sélou Dalen, à la Côte d'Ivoire, Kabatane Fatoundé, Ahmed Bakayoko, ancien premier ministre ivoirien. En défendant de Alpha Lamino, empêchant de faire tout. Donc, il y a un homme qui Mali, la famille Soumaïla Sissé, ancien chef de file de l'opposition. Donc, le président Sélou Dalen, le peuple malien, holli famille Soumaïla Sissé yobe toro be yarlo fatunde weldijo mabbe on weldijo démocratie et weldijo africain ben fo donc dun don holli ela Sélou Dalen sibe lami ke lagine na ginentun arabe lamani are ko afrique fop are dun don sous région on jogondiray wa UFDG jogoni non entre les guinéens regardons la salle d'aujourd'hui donc are dun don hilti ta ko mun tro koko andirde ngela Sélou Dalen et direction nationale parti on et structure unique à base extérieur intérieur donc c'est ngi wi don haray tobere tata bere den ko be maki on sifodo ko somme no wadde de balde europe ka ben taron france somme ko be aspect institut aspect jodi be paris ko be on organise de do 14e rencontre mabbe on donc haray le Sélou Dalen no invita parce que ko joma gandal ko ancien responsable un ancien haut cadre du pays qui a servi ici avec loyauté et donc haray de invita don yobe yaw be hida be yewta be ndara ko honno kambe kari be contributa telema on institut innete do aspen haray tobere nayabere den ko telema nomination honorable Ousmane Gawal Diallo ancien coordinateur de la cellule de communication UFDG donc haray don ko jama famu hunde wotere ko CNRD toddi honorable Ousmane Gawal Diallo parce que ibe hi be tanjini ko gayno o gaynana lagine be hi ko onno kon ko jokkuno kon ko gonga no defandure donc are ko dum be podiri mo ton e inde mabbe e inde makko harayna UFDG imminimo donc haray don parti on no weltanimo hino encouragimo hino tori Allah yalla wonu mo jogi tagol donc haray tobere sakitoro nen ko telema kalanad donc yo andi gila komba men dum manni ala rumeur ji ko be watta ala ko be kataki fi bondugol UFDG kala ka mo jobere wadi ibe habiti be bonnay mais en d'article parce que ko gonga kan jokku den donc haray lanad l'alliance nationale pour l'alternance et la démocratie
aray ko mojo berenden ino jogondiri aray hinde ardir ko ela seludalen ardie mayre donc aray ko teddungal jamaa derton no bubi jop no bubi ro andiyan leylonde donc aray ta dum no mapi goddo lanad ela seludalen lanad UFDG kone ko honno ko depumon faydi der jope di den der redu donc aray ko dum Allah ma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merci, merci Aliou Younoussa Diallo. Donc voilà, après Aliou Younoussa Diallo, nous recevons Monsieur Alpha Oumar Cissé. Mbra militant et sympathisant Belufo, mbra na président na la bureau politique Belufo. Diara ke mi sin de mintoko ilaza selu dalen Diallo. Mais égal ni mo ka sanu matomba da amalo adiwadi daba daba la benna daba kani ni kalike na di daba na di abo na di sekela daba di. Pour les cas qu'un Allemand l'on comprend mais sinon l'on monte au conseil d'Alenco, au sein de Jarale, Mral Belfo. Anne Sewa, Alanye Kasewa, Anna Mansa monte au Ela Selu d'Alen Diallo. Aka sinabo minke, kwa tu babu tiamanaro, kwa la militant na la sympathisant le fou. Parce qu'en Bébraï, Alpha Diamanaro, Atoni Alpha Diamanaro. Moye saya soron kafonyo ko iti wala sarafo sayafodia wo keni alfa jamanaro ko president selu ke se wala sayafodia me ala braketike tarajere mabwana lonkele zomana ala ka alfa konde boye mutu pas propre la sama abrawatu babu jamanaro abra la militalo fo aboratu babu jamanaro kana se ambade malu bara bakayo ko misani bekalonko présidentiel le canon mort canon de Audi awara sayako folie kela yendo abola yendo kana mali bamako mais congrès mitam beka simala sisi la grenando parce que quand qu'elle faut palelo ko gorko susay simala sisi ka fondé sina nyakorla awara sayafo ikedia yendo buto wana abomi kere no. Allez, président, c'est le donna la Guinée andole. Adon minkera, ambraye, ko siyamaye folati, lanad la kola. Ko nyon, son soye, lanad kono. Ne, ankalon habi, ale mokuro miltra yando, ala baratre mindi, kavuya la tama kavuya fo la gredi le nye ala bare le odi lanar kono kele fo itie ndo kuma fo itie fo den ben lani nyona yendo nambora yendo andi si anna membre de ce patron de cette communication ancien mintoko Ousmane Gawal Diallo albra o sugandi ka ke ministre di atoro ani sene de toro mais peut-être alou kaynyana kala le ka kolu mafere ka tre kwa di se kola la gine de lunye ka kili kwa ina bara akili menkera la gine de le klinin dumbu ya la gine de ni na ka la gine de lu ka ka o ke ministre di amata parti koro any kan kam de ke ka do wu ke allah allah se fan kadama kwa se bara o ke la abele wudi me ye vize tote di ale jere kan ni senior de tole atani la kola kawadi nambora endo fana parce que général le sinan ko minto ila sel dal la Guinée be la président de la République ndetas ndetisia fola molnye ko futur président de la République parce que élection mintambera 2021 mais la Guinée be ka le sukandi kidnapper d'électorat uluka wo kidnapper ko kala mara ko atese kala mansadi mais ala le sininte do la mara ni yoro doro tubabulu Franci, la dendo e Franci. Kwal makoye mola milu hakili kabo.
miluka dunia la tamal nyal long miluka administration long wo benni jonnema wo benni présidentiel lema mais agne kokele long ko dunia bellani et la cellula parce que la Guinée jamal la niela mais yoro dulla modo lu train lani alpha conde la mais la Guinée lani dal wo kele de son yando mansaro katra jeli du mante molnye alpha ma boyoro si molye bolo gasi wo te kela mais albra du moyaye c'est luna borate na wara pesa celu na wala salidia na wala sudondia alda ko molye bolo gasi la adire li ma adim aduma la Guinée den ne alu tu ba bolo bral kan bo albra na sebedi ka invité yendo an toro la Guinée de lube toro anyi do wu kalnye pour fiki aye fanka soraro aye wa ayan kunawli nanka kumata ndida yando allah e sonka dama anya made kamanse adi selu dale ma la Guinée be here soraro ale jafa il est installé. Ah d'accord. Non, il y a de la place. Voilà, nous invitons Madame Wido Gilavogui pour la communication en langue Pelé. Madame Wido Gilavogui. Nenu, nanu, gakeka, katokpale. Kalo widobe nyelo ulingehu gaba ye kalaote hulala kale long kana long kaloni dagad kala dagad nan yangen takoma elan selu dale jalo yabe kere ku kanwo he huba yabe yemo yemange gaba ehere boka nuange duo dile patiman hu dagad duloni dungu nepru ye gad kpla bo yema kakpla kakpla. Maintenant, il y a un homme qui a été nommé. Il y a un homme qui a été nommé. Il y a un homme qui a été nommé. Il y a un homme qui a été nommé. Maintenant, tanti, Alpha est là. Le ministre est là. Gobo agbla bo won famiye akere ye ma dupla jati maman ba heba lu Côte d'Ivoire he Côte d'Ivoire li mari bamako jatuati kala jatuati ka nele parce que ma horo bo ye mangé la Guinée da Côte d'Ivoire de ka he yora Mali da Côte d'Ivoire da la Guinée de ka he yora he ngono ali Sénégal nu mata lu ngé kele mané ka dikele di yoro gehu parce que guo tomukati nukele agoro nukele lana ya mato mukati me furuba dumo me furuti dumo e yala hwayi nukele ngo galakala ya hwayi da nukele ngo galakala yipogumo goma ya ba gapeka tomu gapeka tomu me zereti gapa mwe da to da metaka da nyunda mabotaka kuila du polu mane emhere eluguileti hu mane de ngapo bokala ya ba didiye toma pour que eli ngapo boti Ngundoti yabe dikamane selumane elila donc akabo elila mane gukele guluotoma yala lao parce que yigane kele gapeke te pour que eternu kele ngeba ma horo pa pour que la Guinée loni kele ye pogeu et la Guinée loni kele gapeke ma flamu kange soso mu kange et tuwa mu kange et pele mu kange et pa nu kele nya pogeba nu kele kaga meninge da kama hoke yakbene ngono apen mhega elugui gapolu yakatige donc manen gu jere bo yulu dieti ka pa meke ma guluoto ma yala lebo yala le mo famille rapport no pare parce que yabo pa ke tina gogoro akaga yabo pa ke gungu ma bomu parce que ngwe pa ye mangé vo pa le vo nyelo no akere hulwai ngo pa pour que ngo no akere ngo ngapo donc yil ma hebe gasu ba kaga ba yele wuri hu yabo kutola donc kakaweto yil ma man ba ministre ngé ngona dazé e ko ngo parti hu mais ministre ti dumbuya bazé pour que ho kamangé comme ka sé ko ngo parti hu vous pas dé pas da ho moti da
parce que du après ma maman va ezere parce que c'est le point lié au lele et que du loin d'asselu y a gardé mouille et gars y a ma un aïe manu pour ma mouaï il va pas le rôle à guinée manette à plus du il mané et bien à clé et y est bagna donc y a bugger de ministre et donc ministre et gars et d'ahramène à gawa donc mané goulou à toma y a la l'herbe. Il y a des familles pour que tu n'aies pas de président. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Oui, donc, comme voilà. Merci, vous avez compris. Votre attention, s'il vous plaît. L'Assemblée générale poursuit son cours normal. Merci à Madame Wido Guinavogui. Vous comprenez que la Guinée est au-delà d'être une famille. L'UFDG est également une diversité. L'UFDG, c'est la Guinée qui se retrouve. Voilà, nous invitons Madame Mama Sayong pour la communication en langue soussou. Salam alaikum. O hakatumbe. Ala bara ara girito umbarafa. Ala bara ara giri umbarafa. On fa ka fe na gamma, on fa ka na yabadi. Na gamu na kan kulu, o ka ha ka on ha ka lu mburu be. Mange abara santungu ira ba. Abara siga fi ga borima. Asiga fe la mani sindia wana siga fe. Ina ka kye de bin ba yida. Ana ka lu yida. Anaka masika anaka doko ba mislima mangenara. Hinante mangenara. Laginera fama. Amutin kutupon yora. Anaka diye. Anaka masika anaka doko. Baka kutupon na bala lerima umbara yonu. Kona amutin. Anaka masika anaka maguru. Na maguru ye kui. Ala laka imanga fanyi bendu. Anaka fara. Suwari ye mange. Atua fa. Manga mariga anaka akia di mambinu kula anaka aswa hira. Atua aswa hira mislimi ya kui. Yinu lalante ya kui. Anun boye sa kui to anaka kira tu wana siga khebutide ato siga fi rabori mana kilmenni anaka fa foro boki famma ba akanun teyinde na menni nana singela akhira anaka wa fa fe menni e daga ka passeport e bayida amu gere so anaka dogo siga fi khebutide de nyon khebuti fe ma e ka kedi be yi kagile e ka gile ka dogo anaka gile ba musliman gena rin nan tena anaka maguru. Akaya fa menni fa kiya di to bara soya bara sigana ka fa ka buti de menni ato fa bara sa kilfo teta abara fa menni fi rabo qima abara fa menni fa bara fa ka buti ana kiyali menni fa nas ga bore fa ida kanun te nan nan fanna na ministri ana sa ka buti menni ana ka gile akana gile ni kuy fa ana ka fa aka sobe umman mange won ga ka liti na han fanna amoto go won ya ma de won ta ka ma be yin gide nan langa usman gawalma ina ka da fantungu ina ka da so gouvernement kui ina ka fini ministre da ko la ka lu mere ministre ya kui ara fon wumma wumbara mato alaka atiga fe na kam mana alaka nuara alaka nuara manga mari fon siri ara atiga fe na kam mana alaka ko fidi wumba kun na kedida alaka fini wumba sewera dada ngi gambi ana kira tungu ana ka fa akana fa kuifa anya ma ka bon di lido ki yela e man bara khali a ka ban ga siga ba ina te man yela la man ga siga foteta fe la kan nana e ga sa na fe gundu fala e man ga siga e ga fe ndi yela na ba fe yela inara dunya ka ga li ti gara miskina man yena ra afata fe yela ndi afata fe fala di e ma khali na ma haitu amama la budi e man bara khala bar siga menni mbada kui wo mbada khantu non bu na kan lu ala yida wo muna kolo balaka afin du mbe kunna fanyida ala ka afin du mbe herida ala ka afin du mbe kunna kelida wo ga gali ti gata nanna ba ta nanna wo kuma fala maru wo miskina mangi ala ga ta damma kel nya mu ndu han wo lera kan me ku na yinan ku ma gala bara ifan na girito wo mu gele maso wo se tere bala bara itongo wo kuma abara kani bonnal baga da bara yida ala nan na giri ki ala nan na rigiri mbay manga fanya ala ka
tire fani fama wombe la ka fini wombe on gani mara ala la fini on gani mara la ka fini wombe na fam mara ala ka tire fani fa bi ma ku da hambi bi la ka fora so gebu ma bi la fora tunya bu ma ala ka fini wombe manga fani da atana ki sala la mamodo Merci Madame Mama Sayon, Mourubara Inoualissa, merci bien. Voilà, nous fermons donc la rubrique des communications locales. Vous savez, l'UFDG, il n'y a pas que les fédérations, les sections et les comités de base. Il y a également des mouvements de soutien. Ils sont certes nombreux et chacun de ces mouvements de soutien aide, chacun à sa façon, le parti dans son fonctionnement. Donc nous recevons comme invité aujourd'hui M. Amadou Baylo Diallo, président du mouvement UFDG Koundara International, résident au Cap-Vert. Bon, voilà, un peu de soucis avec la régie. Donc, en attendant, nous allons vous présenter des adhérents, mais aussi beaucoup de responsables de fédérations, des membres des fédérations de l'extérieur et de l'intérieur. Dans l'ordre normal des choses, après l'intervention de notre invité spécial, nous devons donner la parole à Madame Nadia Naman, qui va attendre. Sinon, elle va devoir attendre, bien sûr, merci. Alors, je me fais le devoir de vous présenter Monsieur Youssouf Camara, enseignant, qui a pris la décision de rejoindre l'UFDG. Monsieur Youssouf Camara, voilà, qui est venu muni de sa lettre d'adhésion. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Voilà. Donc, après les interventions de Baylo et de Madame la chef de cabinet, nous lui donnerons la parole avec la permission de Monsieur le Président, bien sûr. Voilà, également, nous vous présentons... Très bien. Également, nous vous présentons Monsieur Lansana Kandé. Est-ce qu'il est là? Monsieur Lansana Kandé. Vous pouvez pour l'instant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, à lui, voilà, nous lui donnerons également la parole tout à l'heure. Rubrique présentation des responsables et militants qui nous ont fait l'honneur de participer à cette Assemblée générale. Monsieur Mamadou Siré Diallo, secrétaire fédéral de Beyla. Monsieur Mamadou Siré Diallo, secrétaire fédéral de Beyla. Monsieur Abdoulaye Kourouma, responsable UFDG, non, il est responsable de la jeunesse de l'UFDG Beyla. Voilà, à lui également nous donnerons la parole tout à l'heure. Hadja Fanta Diaouné, chargé des affaires sociales UFDG Kindia. Mamadou Sagale Diallo, responsable de la jeunesse UFDG de Libéria. Amadou Diarouga Diallo, chargé à l'information de la Fédération du Libéria. Ibrahim Abba,
du secrétariat à la communication du bureau fédéral de la Côte d'Ivoire. Merci. Madame Wopa Diop, secrétaire générale de la section de Kolé. Kolé est une sous-préfecture célèbre de Touguet. Amadou Tidiane Barry, membre de la Fédération UFDG du Brésil. El Hadj Ibrahim Diallo, trésorier de la Fédération UFDG de Bruxelles. El Hadj Amadou Tidiane Diallo, du Bureau des Sages de Bruxelles. Alpha Diallo, militant de la Fédération de Paris. El Hadj Ibrahim Djarki, chargé des affaires sociales de la Fédération UFDG Belgique. Mustapha Baldé, maire de la commune urbaine de Lelouma. Monsieur Safaï Ouba, de la communication de la Fédération UFDG Belgique. Et enfin, Bachir Baldé, chargé des affaires électorales, toujours Fédération Belgique. Au passage, nous remercions la Fédération de Bruxelles. Pardon ? Là ? Non, mais vous êtes ici. Au passage, nous remercions la Fédération UFDG de Bruxelles pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à notre président lors de son passage là-bas récemment, et également du meeting excellent qu'ils ont organisé en son honneur. Donc, est-ce que si la vidéo, si la régie est prête, nous allons passer... Ce n'est toujours pas bon. Bien, merci. Nous donnons donc la parole à... On m'annonce la présence de Monsieur Yagouba Diallo du Tchad. Merci. Voilà. Donc nous reprenons peu à peu, nous retrouvons peu à peu nos ambiances habituelles du siège, hein, des assemblées générales du siège. Monsieur le Président, c'est une interpellation, comme vous pouvez le constater. Donc à présent, Amadou Diallo du Cap Vert. Jama Laguine Ondjarama, militant et sympathisant de l'IFDG. Nous avons dit que 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 de la nouvelle génération guinéenne. Monsieur le Président, et Hadji Halimatou Dalen Diallo, premier dame, tamé d'engon, alors, mesdames et messieurs, Sabouk, Mounial, et Péwal, et Ardogol, partillon, Monsieur le Président, mesdames Yakitorion, mesdames Hatongini, mesdames Wadde, nous avons fait un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Monsieur le Président, nous avons fait un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Monsieur le Président, c'est la solution de la nouvelle génération guinéenne. Nous avons fait un peu de temps pour nous faire wadi sabumo ardino opposition kala bay no lamu latine ko sabumo alla tawi yo wadu onon alla tawi yo wadu onon yo hikko yeso ko barki alla e modon hare ije hibani e leedi lagine me de weltori dum don mourad sobeu monsieur le président wadé ko watton ko fo ene katigiti beydon munyal e taragol gento menen nouvelle génération guinéen fiou di be hande ben medem felliti mido noddita kadi
Jama la Guinée, surtout nous, la nouvelle génération guinéenne. Mais du coup, c'est un parti, l'IFDZ et de l'ANAT, si, c'est un peu sectoriel. On est quoi, on fait le tout, on est quoi, on prêt. Haraï, cette fois-ci, Wapata. Cette fois-ci, Haraï Nako Wapata. Monsieur le Président, quel est-ce que vous avez dit 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 que Amadou Bailo est compris. Je rappelle qu'il est président du mouvement UFDG Koundara International, résident au Cap Vert. Voilà, nous passons la parole assez rapidement, successivement à Madame Wopa Diop, secrétaire générale de la section de Kolé. Se prépare Madame Fanta Hadja Fanta Diaouné, chargée des affaires sociales de Kindia. Ensuite, ce sera Monsieur Abdoulaye Kourouma, responsable de la jeunesse UFDG de la Fédération de Beyla. Et nous donnerons la parole aux deux adhérents du jour, M. Youssouf Camara et le doyen Lansana Kandé. Assalamu alaikum. Minko Madame Balde Wopa Diop, secrétaire générale de l'IFDG de Kolé Centre, ça c'est dans la préfecture de Tougui. Haray meden weltani on wombe gaabe fow meden weltani president men on elad selu dale giallo ko ardi do men on non candidat men candidat yurmetedo ko kambe hadi jiyang hibaka leedi lagine en piyama en sokama en sunnanama en yaltanama jiyang en yenama en jabali rekilude yalla wlando wawdo badjo jonnutu en victoire men on haray hiden weltani colonel mamadi dumbuya walludo en hettuden independant ka leydi men alla yo jofin ko fokkintini kon e hore jammo ere vive elad selu dale ndiallo vive colonel mamadi dumbuya vive le grand parti de l'IFDG haray meden welti wassalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wombara tantira siga wondari mari gima. Ntam killa khindiya nan kalima mafante jawne mambu du bureau fédéral de la fédération de Kindia 2. Wombara tantira siga wondari mari gima. Enaka alam min se anaka mfe masarafi. Fait ma sara mangé kun fa yakun mangé langi lallahu ta'ala namma ala hala tangi a fokh muna bama ina ka dinye a yere nan barik alay selu dalen gallo ala ga sira tanga atanno a hana mi nyoka haji ali batu dalen gallo ala ga barka safi ala ga barka saadi fi lagine die ala barge won tanki de khale ki imi balaka tala makungi tambe sonongo. Donc, nana a tout fait, on a dit que les gens ne pouvaient pas faire ala naka yaka ala nung anabe fanyiti mfa ma wosare fide kono fo dunya bidin ka woka yoto mfa wosare so sa wobela kai nana mfinde ka yireki biri mbara garanti ara fe na hambara sa won tam fari lagine die fari biri mbara garanti nara wo mbara konto filab ki wali kan wo ma dongi yetere nyako wo ma e na ga wo mbena ka hanya sinde ka so na ga na ka sede la ceinture to gini to bari mo wa e na ka ngo bara kororo ngo bara nyaka nkata ngo fa yira ba amadi ah hanya sinde wo mafala du sede la ceinture a fala ne ka mafala tan ko na ceinture sere ala na ga ka ala te ngo bara wo yeta finde ala ta ala rayi benda funyi fari be mo wa ma se ma wo ben tanan ala rankere mange so mange ba nan tanan nan tanan nali ala na ke yabi yema sori ya ga go ye ya to makoto ko won tan nu ga ko ya won ka pim ki model mun dun na yera ye ya to makoto ko ki ki mon mun dun na yera won na ga ko ya re pe ye nye na di ki mi ki nan yera ba wo mu ye ka fe ya yo ko ya ga go ya to makoto ko ne ke fe ni gbe fe
donc na fey gbe e bara ma se won be ya ma ko to ko ne fey gbe fi donc na fey gbe won bara na ya bi to dunya bi din bara to ala selu dalle ngi bara bo yallo ala ki sira tanga ala ki bu bo fi be nga njara fi dalle selu dalle yallo ba ka ko lon kan ya di na wo en fey ki ala ka sira tanga won bara bu fey ko ma he gale ga ko Biri na tanko longana folle gine tanko a opposant tamuna na kana FDG yara kay fala won kay election na ba ka saraba la khira wata mri muti ma won yara won kana tanko lon nake won kana tanko lon nake moko tamma mi so le mere Abdullahi Bakh India na na kholi ma wafe to allo gwan samu na fe na kana parce que age ni dunya bi da to ne fe na kan safari won na nye ku ndusi naiki 12 novembre Et mes convoqués n'ont qu'à gérer ça. Pour le 12 novembre, on a une année qui est suivie. A minuit, on a un Et falama. Et n'a qu'à aga falaka na fon na ram falaka n'ta nga ma falaka aga bayal ko na garo so gedi. Ana ga mon ko masarama. Nja gi mene ma ya ma ko ma. Ale selu dal fi khalati hali mfaka. Na ram falaka na ka ale selu dal ngal wata na ngien. Donc à toi gère na ka ga victoire mo na falama ne du niya biri. Hali ndu akwi ngalo akwi. Ko na ale selu dal ngal wata na na lagine president. Woti mfo na fala wo muti mfo na fala. Wo yangi mu nyoma na kam fala da ka na ina wangi so politician gira won kai mana afari. Nous avons un peu de temps. 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 Nous ala ta nya fe kana kana lo ka ma president ba fo ka bakala mini be fo me atti fo la ni tolo e fo la jeti tolo o le koniali tumado o sa che aka konialo afana ka konia tolo donc mi de ko son bi ni na konia fo la bolanye kama solo le akalo parti mi a se e lagine fambe d'une fambe Mais Konyata, alhamdulillah, pas que les mots coca, à la beau boca. Et ne fait pas de la tamara, voilà. À la dunbala. Kanakaja Massakela, UFDG, a t parti de l'émité Bela. Mais, a-t-il sert soumis à ses fangatia bon. Mais alhamdulillah, Rabbi Amina. Et bien, si elle baka, comme il fait, elle en a autant le dima. Kaja Fodni, parti ton catastrophéné, nous t'assurons à TBC. Kata masroli ale be nyel china bi lagino ko non men ni tan nyel china bo ale tali parce que ne dingam dia nyakene koniale nyakene bilale ni tan nyel china bo ale tali bi kata masroli watibe akalon ko miye exécutif mo kalon ko miye ma nyamo mu ya ul fran kalon ko miye mais abe dien koni abi mi bile nu lotie bu ya kata koni ako Mais alhamdulillah, je suis là. 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 Manu na campagne là ni wul kafo obi wiya wolo katra be senuma ma be bak bak ngima ni o kana kana massa che je kan ye ni massa che kan ki wolo la na jela ko vraiment wa damna lele bi mi bile ne ni na le bi kafo vraiment patron il dien il place ni kadma UFDG lo atie fane male son kafo fa den jou comment so ko jama di nyara ko de donc ni ne kana wolo ala be kiti kan na kana masa cheye konia do atilamie ateka ko konia kine de mbafango ko e kan gole ko e flan gole ko e suso gole ko e bese gole ko e nya susu nya e ko e maralo o bele ko e o bela ko na ful sama nenan ka wala si ngien ta ful kante de mais maintenant ka jam sa kela lande atia lo kroko kala molo de mais edien amili alo ko ro miweke wotie siedam nawlili Il n'y a pas de problème.
alors que vous savez que vous avez mis les gens dans le monde. Et je suis là, voilà. Merci Ablaye Kourouma. Je rappelle qu'il est responsable de la jeunesse de Beyla, UFDG Beyla bien sûr. Donc nous allons accueillir Youssouf Camara. À présent, on rue donc parole aux deux adhérents, Youssouf Camara et Kandé, Lansana Kandé respectivement. Mais avant, vous avez vu tout à l'heure, on vous a parlé du Tchad, de la Côte d'Ivoire, de la Belgique. Nous sommes, de même qu'on est suivi sur la page officielle du président Cyril Dalein Diallo, on est également suivi sur la télévision West Africa TV, vous pouvez le constater, West Africa TV, donc, qui émet d'un satellite et donc suivi un peu partout dans le monde. Mais un peu partout dans le monde, qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Europe ou de l'Amérique. Mais également sur les canaux digitaux de cette télé. Il s'agit de West Africa TV quand vous allez sur Facebook. Donc West Africa TV Live, vous pouvez suivre là-bas. Nous remercions vraiment le responsable, le patron de cette télé qui a bien voulu accepter cette collaboration avec l'UFDG. Donc parole à M. Youssouf Camara. Merci messieurs. Merci monsieur le président. Merci, messieurs les vice-présidents. Merci à tous les militants de ce grand parti UFDG. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour une cause bien déterminée. On n'est pas là pour la démagogie. Nous étions là lorsqu'on traitait l'FDG de tous les noms d'oiseaux. Mais heureusement, ce grand parti a un président, un grand président, un grand homme qui a su très tôt que pour aller à la hauteur de la société, il faut d'abord se rabaisser. C'est pourquoi, comme vous le savez, toutes les élections donc l'UFDG a participé, elle a été toujours sortie vainqueur. Vainqueur, mais toujours on nous a retiré notre pouvoir. Notre président n'a jamais dit, allons prendre les armes pour aller combattre les gens qui nous ont retiré notre pouvoir. Il nous a toujours dit, attendez, car le Tout-Puissant, si nous ne dormons, lui ne dort pas. La vérité va tarder, mais elle va jaillir un jour. C'est pourquoi, et c'était un dimanche, une nuit, on dormait paisiblement. Le 5 septembre, ceux qui sont en ville peuvent en témoigner de plus. Nous qui sommes vers la banlieue, on nous a appelés, ne sortez pas. On a demandé pourquoi. Il y a des coups de feu ici partout. Qu'est-ce qui se passe? En ce temps, il n'y avait rien. Personne n'avait la nouvelle de ce qui se passait. Et vers les 10h, 11h, on nous a mis au bain de la situation que celui qui se croyait demi-dieu en Guinée ici est devenu, voilà, merci, est devenu poli. Alors, n'eût été le pardon de tous les militants de ce grand parti, de notre président, on n'allait pas voir le jour. Car c'était le pouvoir de l'UFDG que ces gens-là faisaient passer pour leur pouvoir. Mais le Tout-Puissant a donné la vérité à qui de droit. Alors, je ne vais pas beaucoup parler, car si on dit de parler, on va beaucoup dire. Mais pour le moment, nous allons nous arrêter là.
et le combat continue. Je vous remercie. Monsieur Lansana Kandé. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Kandé Lansana. Mon nom est Kandé Lansana. J'ai toujours évolué dans la cellule de communication. Je suis là ce soir et je vous remercie pour la première fois de l'hospitalité que j'ai vue. Je suis là, c'est pour vous accompagner, vous aider à atteindre l'objectif réel, celui d'arriver à Sectoria. Et ça, ce n'est pas la parole qui peut nous faire gagner cela. Ce n'est pas l'écrit, c'est le travail. Je suis là donc pour travailler et je vous remercie pour la qualité de la réception et je suis à la disposition du bureau exécutif. Je vous remercie. Voilà, merci. Donc, il a dit qu'il a toujours travaillé au sein de la cellule de communication. Il s'agit de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Voilà, à présent, nous recevons Madame Nadia Naman, chef de cabinet. Merci, cher Joachim. Militants et sympathisants de l'UFDG, chers compatriotes, la première partie de mon intervention va consister aujourd'hui à faire, aussi fidèlement que possible, le compte-rendu de la fructueuse tournée qu'a effectué le président de l'UFDG dans la capitale européenne de Bruxelles. Le président Sélou d'Alain Diallo, en sa qualité de vice-président de l'International libérale, a honoré de sa présence le 175e anniversaire du Parti libéral belge qui s'est tenu le vendredi 22 octobre dernier à Bruxelles. Il a répondu à l'invitation du mouvement réformateur, le MR, l'Open VLD et le Parti libéral ALDE, aux côtés de plusieurs invités de marque de la famille libérale européenne, dont notamment Louis Michel, ancien président de l'Assemblée paritaire UE-ACP, qu'il a d'ailleurs chaleureusement reçu à son domicile, Charles Michel, le président du Conseil européen, ainsi que les premiers ministres de Belgique, Alexander De Croo, des Pays-Bas, Mark Rutte, du Luxembourg, Xavier Bettel, et de l'Estonie, une femme, Madame Kaja Kallas. Ce congrès anniversaire a été l'occasion pour les participants de réitérer, à travers plusieurs panels, leur attachement aux valeurs de liberté, de responsabilité, de justice et de démocratie. Le président de l'UFDG a saisi l'opportunité de sa présence dans la capitale européenne pour rencontrer d'éminents membres de la Commission et du Parlement européen qui l'a remercié pour l'attention portée à la Guinée et leur a demandé d'accompagner la transition en cours dans notre pays. Militants et sympathisants, je puis témoigner de l'accueil chaleureux, mais chaleureux, qui a été réservé à notre président par les grands de ce monde, tous heureux et enthousiastes qu'ils étaient de pouvoir lui serrer la main et surtout se réjouir de sa liberté retrouvée. L'attention toute particulière qui lui a été accordée par ses différentes personnalités démontre, si besoin en était, la stature d'homme d'État et mérite de notre leader dont la réputation va bien au-delà des frontières de notre pays. Et la preuve en est, M. Sélou d'Alain Diallo a reçu l'invitation de l'Institut Aspen France, pardonnez-moi,
que je vais vous délivrer tout à l'heure. Je vais donc vous délivrer le contenu de cette invitation, mais bien avant, ici, de rappeler que l'Institut Aspen France a été fondé en 1983 et présidé par d'éminentes responsables français, dont l'ancien Premier ministre Raymond Barre, Michel Pébéreau, ancien PDG de BNP Paribas, et Jean-Pierre Jouyet, ancien secrétaire général de la présidence de la République française. Je vous fais lecture du contenu de cette invitation qui honore une fois de plus notre président. Monsieur le Premier ministre, l'Institut Aspen France organise les 25-27 novembre prochains à Annecy la 14e rencontre Europe-Afrique sur le thème Agenda 2063, In Search of an African Business Model, à laquelle nous avons l'honneur de vous inviter. Cette rencontre réunira des décideurs économiques et politiques africains et européens pour discuter des moyens de renforcer leur coopération et de réfléchir ensemble aux nombreux sujets d'intérêt commun. Ce forum a vu, depuis son lancement il y a 27 ans, la participation d'éminentes personnalités africaines et européennes. Nous serions honorés de vous voir intervenir en tant qu'invité d'honneur de cette conférence. Compte tenu de votre expérience et de votre expertise personnelle, ainsi que de l'importance des enjeux auxquels est confronté le continent à l'heure de la crise économique et sanitaire, votre participation à cette réunion serait d'une grande valeur. Nous restons à votre disposition pour définir avec vos équipes les modalités de votre intervention. Nous vous prions, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir trouver le programme prévisionnel de cette réunion ainsi que le compte-rendu de la précédente édition de la rencontre, et de croire en l'expression de notre haute considération. Alors, le courrier est signé par M. Pascal Lamy, ancien directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et ancien commissaire européen au commerce, et M. Jean-Luc Ayavena. Voilà. Alors, je vais donc, sans plus tarder, chers militants et sympathisants, mes chers compatriotes, passer au second volet de mon intervention sur l'œil vigilant de toute la technique. Alors, ce deuxième volet va porter sur la rencontre qui s'est tenue hier au siège de l'UFDG, siège dont nous étions toutes émues, toutes les femmes qui s'y sont retrouvées, à la Minière. Et cette rencontre vise à fédérer toutes les femmes politiques libérales autour de la promotion et de la défense de valeurs communes. Alors, cette rencontre qui a été présidée par notre dynamique et combative vice-présidente du Conseil national des femmes, Madame Maïmouna Chérif Bah, a vu la participation d'un ensemble de partis politiques appartenant à l'international libéral. Et cette rencontre a également vu la participation de Madame Maria Madalanda Diallo, présidente des Femmes du Modèle, accompagnée d'une forte délégation. Elle a vu la participation de la présidente UFDG des Femmes de la Forêt, des présidentes des Femmes de plusieurs fédérations UFDG à Conakry et de plusieurs députés de l'UFDG qui sont présente ici. Alors, honorable Aliou Condé, le vice-président aux affaires politiques du parti, nous a honoré de sa présence et a livré un discours auquel l'assistance féminine a été particulièrement sensible. Alors, les éléments de contexte qui ont été rappelés lors de cette rencontre, c'est la prise de pouvoir par l'armée le 5 septembre dernier, a, vous le savez, libéré une bouffée d'oxygène sur des populations guinéennes excédées, fatiguées, asphyxiées par la détérioration de leurs conditions matérielles de vie et par les dérives autoritaire du défunt régime. La transition en cours devrait permettre le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable par la mise en place d'institutions légitimes issues d'élections inclusives, libres et transparentes. C'est du moins ce que nous, les femmes présentes à cette rencontre, avons appelé de tous nos voeux. Les femmes politiques libérales ont un rôle déterminant à jouer en réaffirmant les vertus du dialogue, pas n'importe lequel, un dialogue politique qui se veut actif, franc et respectueux. Les objectifs visés par cette démarche, qui, faut-il le rappeler, est placée sous l'égide de l'international libéral et du réseau libéral africain, sont les suivants. La promotion et la défense des valeurs libérales auxquelles reste foncièrement attaché notre leader, M. Sélou Dalein Diallo. Ces valeurs sont la liberté et son corollaire, la responsabilité, la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, l'état de droit, la démocratie, l'économie de marché et la méritocratie. Comme autre objectif que se sont visés les femmes,
l'initiation et le renforcement d'un dialogue inclusif et durable, propice à la formation de coalitions, sans attendre la veille des élections. Comme autre objectif, le renforcement des capacités des femmes appartenant aux partis politiques libéraux guinéens à définir et à participer aux décisions et aux actions engageant leur formation politique et à se battre, pourquoi pas, pour qu'elles soient placées en positions éligibles sur les listes des partis. La formation d'un réseau transpartisan de femmes. En guise de propos conclusifs, au-delà des points de divergence, ce qui compte, et il a été rappelé, c'est ce sur quoi nous sommes d'accord. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tout, mais nous demeurons convaincus que nous mobiliserons toute notre énergie et notre intelligence au service des valeurs libérales que nous partageons et que nous travaillerons, nous, femmes libérales, inlassablement, de manière à ce que la transition en cours dans ce pays soit la dernière que connaisse la Guinée. Je vous remercie de votre aimable attention et vous dis à très bientôt. Ah, pardonnez-moi. Là, je manquais à toutes mes obligations si je ne rappelais pas la présence parmi nous de 3 invités d'honneur. Alors, ce sont les suivants. Monsieur Ibrahim Assouri Cissé, chef de quartier de Yimbayaport, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Sekou Souma, chef de quartier de Dabompa Plateau, que je vous demande d'ovationner. Et enfin, monsieur Alassane Yattara, chef de quartier de Dabondi 3. L'UFDG est très très honorée de vous avoir parmi elles. Merci à vous. Merci Madame Barry, Nadia Naman. Voilà, avant de passer la parole au président Sélou Dalein Diallo, permettez-moi de dire un bonsoir à Madame Néné Kali, ancienne responsable du RPG Europe. Néné Kali Djamila. Voilà, Néné Kali Djamila, qui en ce moment nous suit avec sa famille et certains de ses proches. Donc nous lui adressons, où qu'elle soit, un chaleureux bonsoir. Et l'UFDG est très heureuse de l'avoir parmi nous. Nous l'avons déjà exprimé, mais il était important qu'on le redise encore. Voilà, on va fermer la boucle, comme on dit. À tout seigneur, tout honneur, monsieur le président. Oui. Le micro est à vous. Il n'y a pas de... qui nous suivez à Conakry, à l'intérieur du pays ou à l'extérieur de la Guinée, je vous salue. Je voudrais remercier tout d'abord les 3 chefs de quartier, Cissé, Souma et Yattara, pour l'honneur fait à l'UFDG de prendre part à notre Assemblée générale virtuelle. Je voudrais féliciter mon vice-président Kalemoudou Yansané qui s'est entretenu avec eux. Et les a sans doute convaincus de venir voir, certainement au nom d'un groupe plus large, et dont je suis sûr qu'après le compte-rendu, ne tardera pas de prendre de bonnes décisions à l'image de M. Kandé. Je voudrais saluer M. Kandé pour la décision courageuse qu'il a prise. Vous savez, lorsqu'on a lutté dans un parti de longues années, même sentimentalement, c'est difficile de quitter. Mais comme on dit que la politique n'est pas une religion, à un moment donné, l'homme doit évaluer.
quelle est la direction que nous avons prise? Quels étaient nos espoirs? Comment sont traités les intérêts de notre peuple? Et prendre, s'il y a lieu, une nouvelle décision. Mais ce n'est pas facile de quitter un parti pour lequel on s'est investi. On a dépensé son argent, son énergie, son temps, son intelligence, de longues années. Abandonner ce parti, aller vers un autre parti, c'est souvent difficile. Mais lorsque nous sommes des patriotes, nous mettons le pays avant tout. On peut se remettre en cause parce que l'homme n'est pas parfait. On peut se tromper ou être trompé. Il faut se rendre compte à un moment donné, soit je me suis trompé ou on m'a trompé, et prendre ses responsabilités. Nous sommes très fiers de l'adhésion de M. Kandé. Pourquoi? Parce que nous avons dit ici, haut et fort, que l'UFDG veut être la plateforme de réconciliation des Guinéens. On nous a trop opposés pour rien, sur des bases subjectives et irrationnelles. Il faut que la réconciliation ait lieu et que les Guinéens soient unis autour des valeurs essentielles. Nos adversaires, en tant que Guinéens, nos défis, c'est le sous-développement, c'est l'état des infrastructures, c'est la division, la haine et la violence que la haine engendre. Notre défi, c'est de créer un système éducatif performant pour la jeunesse intelligente de Guinée. Elle en manque. Notre défi, c'est de créer des infrastructures modernes dans notre pays pour favoriser le développement. Notre défi partagé, c'est d'exploiter les immenses richesses que la Providence a données à ce pays pour que tous les Guinéens vivent dans la dignité, qu'ils aient accès à un enseignement de qualité à l'école publique, qu'ils aient accès à l'électricité, à l'eau, à l'assainissement. Il y a suffisamment de richesses pour permettre à tous les ménages guinéens d'en disposer. Tout le monde ne peut pas être riche. Il y a des gens qui vont s'engager dans les affaires pour chercher de l'argent. Ils peuvent en trouver dans le respect de la loi, dans le respect des autres. Ils vont payer des impôts et l'État est là comme régulateur pour que personne ne soit laissé au bord de la route. Parce que les richesses qui sont là, c'est pour les riches et les pauvres. Les dynamiques et ceux qui sont moins dynamiques, c'est les Guinéens. Notre ambition, c'est d'être le parti et le pouvoir par lequel les Guinéens seront rassemblés, dans le respect de la dignité de chacun. Nous devons être fiers de notre diversité linguistique et culturelle que nous devons même protéger, mais ce n'est pas un handicap, c'est un atout pour le pays. Si nous réussissons à instaurer l'égalité des chances et l'égalité des droits, la réconciliation vient tout de suite. Évidemment, l'État aura la responsabilité de veiller au partage équitable des richesses. Lorsque l'effort sera récompensé, il faut récompenser le droit d'être guinéen. Parce que la richesse, à partir de laquelle les gens sont devenus riches, on doit prélever et veiller à ce que tout le monde vive dignement. C'est ça que nous voulons. Nous savons qu'une campagne a été menée contre l'UFDG, au point que beaucoup de gens ont une perception erronée de l'UFDG et de son président. Je dois avouer qu'on en a souffert parce que c'est injuste. Le parti, sa vocation, son ambition, c'est de rassembler, réconcilier les Guinéens, exploiter les immenses potentialités économiques de ce pays au profit de tous les fils du pays. Mais cette ambition n'est pas connue.
Elle n'est pas connue parce que très tôt, les Guinéens nous ont fait confiance et ils l'ont montré. Dès qu'on a eu 44% au premier tour, il fallait détruire l'image du parti. Montrer pour ne pas que celle lui arrive au pouvoir. On l'a dépeint, on l'a diabolisé. Mais à force de répéter, la perception est parfois restée. Ceux qui ont été mes collaborateurs, ils m'ont toujours accompagné parce qu'ils savent comment je travaille, à quel point j'aime la Guinée et les Guinéens. Ce n'était pas mes parents. Ils savent le travail qu'on a fait ensemble dans ce pays, dans toutes les régions, sans tenir compte des préjugés. Le travail qu'on a fait ici à Conakry, en Basse-Guinée, en Haute-Guinée, en forêt, on s'est battu pour faire la promotion de projets prioritaires parce que ça améliorait les conditions de mobilité des personnes et des biens. Mais malgré tout ça, ce travail qui a été fait de manière objective en fonction de la rentabilité des projets, et non parce que le projet était localisé au Fouta, en Haute-Guinée ou en forêt, parce qu'il était en Guinée. Nous avions dit que nous étions ministres de la République, on est au service de la République. Le critère, c'est la rentabilité du projet par rapport à la collectivité nationale, et non par rapport à une région. Nous avons fait ce travail. Et lorsque nous avons décidé de faire la politique, tous ceux qui nous ont connus pratiquement sont venus et disent non, c'est une chance pour la Guinée. Ils savent sur quelle base on décide, sur quelle base on enregistre, on arbitre. Ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la région, c'est la Guinée. Donc, lorsque les gens prennent conscience de ça, parce que vous ne pouvez pas prendre l'UFDG à défaut, on a fait beaucoup de discours, mais c'est l'unité. On a dit qu'on est violent, mais on était victime de la violence. Tout le monde le sait. Mais à force de répéter, avec les moyens de l'espace, beaucoup de Guinéens ont été induits en erreur sur l'UFDG et ses ambitions. Aujourd'hui, nous sommes fiers que les gens ont eu le temps de réfléchir et de regarder. Et ceux qui aujourd'hui viennent adhérer à l'UFDG, parce qu'ils ont quand même analysé nos discours et nos actes, et se rendu compte que la campagne qui a été menée pour discréditer, diffamer l'UFDG et son président était une campagne fausse. C'était pour les besoins de la politique. Et je vous souhaite tous les bienvenus, M. Diané, vos camarades qui sont à Bruxelles. Je les salue et je vous souhaite vraiment la bienvenue. Nous serons dignes de votre confiance. Notre pays a besoin de réconciliation. Je l'ai dit qu'il n'y a pas de vengeance. Parce que la vengeance appelle la vengeance. Elle est source d'injustice. Il y a trop de violence. Il faudrait à un moment donné qu'on se retrouve. Qu'on prie. Nous sommes la plupart des Guinéens sont des croyants. Et qu'on se pardonne. Parce qu'il le faut. Il faut qu'on avance. Donc, merci pour ceux qui viennent. Bien entendu, ça suscite la jalousie. Ça suscite la jalousie et nous sommes habitués, heureusement, à la calomnie, à la médisance, aux critiques subjectives. Nous sommes habitués à la calomnie. Et actuellement, cette ruée, cette prise de conscience que l'UFDG est un parti qui a le souci de développer la Guinée, de garantir le respect des droits et de la dignité de tous les fils du pays, les gens sont en train de comprendre. Et ça suscite de la jalousie.
de la médisance, des calomnies. On va jusqu'à vouloir nous opposer au CNRD. Même lorsque un leader dit quelque chose qui paraît maladroit, on dit, ouais, c'est un proche de Sylvie Dalin. On m'attribue des propos que je n'ai jamais tenus. On a dit que j'ai dit à Bruxelles qu'avant c'était Alpha notre ennemi, mais désormais c'est le colonel Doumbia notre ennemi. Je n'ai jamais dit ça, je ne peux pas dire ça. S'il y a quelqu'un qui a salué le courage, l'audace du colonel Doumbia et ses équipes, je suis en tête. Félicité. D'abord parce qu'il a libéré. D'abord parce qu'il a libéré la Guinée. Mais il a aussi libéré l'UFDG. Combien de prisonniers avait-on? Nos locaux étaient occupés. Nos droits et libertés de voyager confisqués. Mais il faut que les gens, face à la jalousie, face à la haine, trouvent le moyen de nous opposer à ceux qui détiennent la force. Mais je demande aux militants de rester calmes et sereins. Lorsque nous prenons une position, nous l'assumons. Jusqu'à présent, ce qu'on a dit, on a félicité le colonel et son équipe. Et son discours, nous avons dit, répond à nos attentes. Parce qu'il a dénoncé la justice instrumentalisée. Il s'est engagé à mettre en place des institutions légitimes à l'issue d'élections libres et transparentes. Pour le moment, c'est ça. Nous l'encourageons, nous voulons contribuer au retour à l'ordre constitutionnel. Il nous a reçu, il nous a demandé au Palais du Peuple, donnez-nous vos propositions. On a fait nos propositions. On a déposé des mémoires. L'UFDG et la NAD n'étaient pas les seuls à proposer 15 mois. Dès que nous, on a dit 15 mois, ah non, il a un agenda caché, il est pressé, il est... Bon, mais tout ça, ça entre dans le cadre de ces calomnies. Mais il faut que les militants restent sereins. Nous avons toujours assumé, dans des conditions parfois difficiles, nos prises de position. Aujourd'hui, nous sommes en train d'encourager le CNRD à aller vers le retour à l'ordre constitutionnel et nous sommes prêts à y contribuer. Et lorsque je suis allé à l'extérieur, parce que ce que je dis à la presse, moi ce que je dis dans les bureaux, c'est ce que je dis publiquement. Je ne sais pas tenir deux langages. Je vous ferai le compte-rendu rapide des visites que j'ai effectuées. C'est le même discours. J'ai dit, ce n'est pas lui, le coup d'État. Le coup d'État était déjà fait. Excusez-moi, ceux qui étaient encore au RPG. Le coup d'État était déjà fait. Pour moi, M. Alpha Condé exerçait un mandat illégal et illégitime. J'ai dit de ne plus l'attaquer. On n'est plus opposé, on n'est plus opposant. On est partenaire à ceux qui veulent instaurer la démocratie, l'état de droit et garantir le respect des droits humains. On est partenaire à tous les partis, à toutes les associations, au CNRD, dans la mesure où on veut organiser le retour à l'ordre constitutionnel par la mise en place d'institutions issues d'élections inclusives, libres et transparentes. Et à cet égard, on peut compter sur l'UFDG. Il y a 10 ans que nous nous battons, il y a plus de 10 ans qu'on se bat. Il ne faut pas oublier, depuis 2009, on a fait d'énormes pertes pour la défense de ces valeurs. Donc, pour ceux qui veulent les défendre, c'est sûr que l'UFDG sera un partenaire fiable, loyal et efficace. Alors, je vais faire le compte-rendu, mais avant, j'ai un devoir. Le peuple sierra-léonais a vécu une épreuve très difficile ces derniers temps. Ils ont perdu 131 citoyens et plus de 63
personnes sont encore hospitalisées. Je voudrais, même si je ne l'ai pas fait au début, le adresser au président de la République de Sierra Leone, au peuple Sierra Leonais et à tous les proches des victimes, nos condoléances attristées et joindre nos prières à celles des Sierra Leonais pour le repos de l'âme des victimes et pour le rétablissement des blessés. Nous allons observer une minute de silence pour le repos de l'âme des victimes. Je vous en prie. Merci bien. Alors, comme vous le savez, lorsque mes droits et libertés de voyager m'ont été restitués et j'ai récupéré mon passeport, j'avais hâte d'en jouir. Et il y a une coïncidence heureuse, j'ai reçu une invitation des libéraux belges pour prendre part au 175e anniversaire de la fondation du Parti libéral belge. Donc j'ai décidé de répondre. Nadia vous a largement expliqué l'honneur et les considérations dont nous avons été entourés pendant nos séjours, les personnalités qu'on a rencontrées, bien entendu. Je ne reviendrai pas sur ça, mais la Fédération UFDG de Belgique, ici valablement représentée, s'est aussi mobilisée pour nous réserver un accueil chaleureux et a organisé un meeting géant où j'ai pu m'adresser à nos compatriotes guinéens. Bien entendu, je les ai félicités pour leur contribution au combat que nous avons mené d'abord au sein du FNDC, mais aussi pour la campagne. Nos compatriotes, les militants de l'UFDG résidant en Belgique, ont beaucoup contribué, y compris financièrement pour la campagne, pour l'élection présidentielle du 18 octobre. Mais au-delà de ça, après toutes les exactions et les violences qu'on a subies, ils ont apporté des contributions non négligeables pour la prise en charge des malades, pour l'entretien des prisonniers. Ils ont aidé. J'en ai profité pour les remercier et les féliciter. Et on a pu assister, comme vous le savez, les prisonniers de l'UFDG, de l'ANAD et des FNDC, qui étaient arbitrairement détenus. On a pu assister aussi les malades, qui étaient nombreux, qui avaient été blessés lors des violences dites post-électorales. Nous avons, à l'issue de notre séjour, rendu visite aux quatre coordinations, aux représentations des quatre coordinations régionales, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée, la Forêt et la Basse-Guinée. Toutes ces représentations nous ont accueillis chaleureusement et ont été très sensibles à notre démarche. Après Bruxelles, je suis allé à Paris et là aussi j'ai rencontré de hautes personnalités françaises. J'ai rencontré la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai rencontré le Conseil Afrique du président Macron. J'ai rencontré le président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée. J'ai rencontré le président du Forum francophone des affaires, Madame Gentili, Monsieur Gentili, qui est aussi PDG de la Banque La Brette, et beaucoup, beaucoup d'élus, au moins une dizaine d'élus du Parlement ou du Sénat français. Croyez-moi, partout où je suis passé, j'ai justifié l'intervention de l'armée et j'ai demandé d'accompagner notre pays. Que ce soit à Bruxelles ou à Paris, j'ai dit que les caisses sont pratiquement vides, les infrastructures sont dégradées, les hôpitaux manquent de médicaments. Ce n'est pas le moment d'abandonner la Guinée. Parce que vraiment, ceux qui sont là, même si on considère qu'on est toujours en dehors de l'ordre constitutionnel, ce n'est pas leur faute.
ils ont fait le premier pas vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel. C'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est d'organiser les élections pour que des institutions légitimes issues d'élections inclusives, libres et transparentes soient en place. C'est ça. Et il faut les aider à faire ça. Parce que chaque fois qu'on a condamné, même mécaniquement, les coups d'État, on a invité les gens à organiser le retour à l'ordre constitutionnel. Après ça, en attendant, il ne faut pas suspendre ou réduire la coopération avec la Guinée. Parce que le pays, aujourd'hui, on n'a pas de route. Les hôpitaux manquent de tout. Les écoles manquent de tout. Et nous avons besoin de l'aide internationale pour continuer à faire fonctionner notre société, pour faire face aux besoins des populations les plus pauvres. Et donc, c'est le discours que j'ai délivré partout où je suis passé. Alors, lorsqu'on m'attribue ici des propos ou des intentions que moi, je suis contre le CNRD, heureusement, j'ai situé cette calomnie dans le cadre que vous connaissez. Et à Paris, j'ai pris part à la réunion d'un groupe de réflexion dont je suis membre. C'est un groupe de réflexion franco-africain qui s'appelle Objectif Avenir Afrique, qui est dirigé par mon ami Alain Dipouy. J'ai eu la possibilité de rencontrer beaucoup de gens du MEDEF, Michel Roussin, beaucoup d'autres personnes, des gens de Bolloré, des gens de Orange qui étaient là quoi, lors de cette réunion à laquelle j'ai participé et j'ai pris la parole pour intervenir également. De l'Europe, je suis venu à Dakar. Bien sûr, j'ai eu des entretiens avec nos compatriotes qui y vivent, notamment les responsables et cadres de l'UFDG. Eux aussi, naturellement, ils étaient contents de revoir leur président qui était privé de la liberté de voyager pendant puis un an. Et donc les gens se bousculaient pour venir le voir. Bon, finalement, on a fait meeting à Dakar. Et puis là aussi, je leur ai adressé les remerciements de la direction nationale pour leur contribution remarquée à la lutte contre le troisième mandat. Parce qu'à Dakar, il y a eu des grandioses manifestations et surtout pour tout ce qu'ils ont fait à l'image des autres fédérations de l'étranger pour soutenir l'UFDG pendant cette épreuve qui a été très, très, très difficile, celle qui a suivi l'élection présidentielle d'octobre 2020. Au-delà de la confiscation de notre victoire, vous savez bien qu'on a été victime de violences et d'exactions inouïes. Donc, on a eu beaucoup d'arrestations, beaucoup de malades, beaucoup de morts, 51 morts, je ne vais pas revenir toujours sur ça, mais il le faut, parce qu'il faut leur rendre hommage. Et là aussi, nos fédérations de l'extérieur, d'ailleurs, toutes ont activement participé à l'aide qu'on a pu déployer en faveur des victimes directes. Après Dakar, je suis allé à Abidjan. Alors, à Abidjan, vous savez bien que Ahmed Bakayoko, qui est l'ancien Premier ministre, j'étais désigné par l'international libéral pour nous représenter, pour représenter le comité exécutif aux obsèques. Et vous savez dans quelles conditions j'ai été empêché de voyager. Donc c'était pour moi l'opportunité d'aller présenter mes condoléances non seulement au président Ouattara, qui est président d'honneur de l'international libéral, mais également au RHDP et surtout à la famille de Ahmed Bakayoko. La Fédération UFDG de Côte d'Ivoire a constitué une forte délégation et qui m'a accompagné pour aller justement présenter ses condoléances. D'Abidjan, je suis venu à Bamako. Soumaïla Cissé était un ami, mais c'était un frère. On avait une relation ancienne, une relation solide. Et je connais ma famille, il connaît toute ma famille, mes enfants, je connais ses enfants. Depuis 2000, on se connaît, on se fréquente. Et là aussi, vous savez, j'avais voulu prendre part à ses obsèques. Mais comme Alpha Condé ne l'avait pas voulu, j'ai été retourné encore à l'aéroport. Donc je suis arrivé à Bamako. Naturellement, c'était très pathétique parce que je connais très bien son épouse et tout ça. Donc j'ai pu présenter les condoléances, non seulement à la famille, mais également au parti. Je suis allé au siège du parti. Toute la direction de l'URD était là.
Je leur ai présenté naturellement les condoléances de ma famille et du FDG. Et après ça, maintenant, je suis rentré ici. Je sais qu'il y avait beaucoup de jeunes, de militants qui voulaient m'accueillir. J'ai dissuadé. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas le moment des manifestations. On a tellement fait des mobilisations, il faut que les gens se reposent. Que ce soit des manifestations de réjouissance, que ce soit des manifestations de protestation, on en a suffisamment. Notre capacité de mobilisation est connue. Et puis on a eu droit à ça, notre campagne. Souvenez-vous de mon retour à Conakry à la veille des élections. On ne peut pas avoir mieux. Donc je demande encore une fois aux militants de se calmer, ce n'est pas la peine d'accueillir leur président. Je sais que le jour où on aura besoin de le faire, lorsque les campagnes électorales seront ouvertes, j'espère qu'on n'aura jamais plus besoin de faire des manifestations de protestation. En tout cas, c'est que je le souhaite, c'est que je souhaite vivement. Et je sais que les militants sont toujours prêts à accueillir leur président. Donc, je voulais remercier pour ce projet, mais j'ai dit non, je ne veux pas être accueilli. Calmons-nous. Préparons par la campagne de porte à porte les échéances et je suis sûr que avec tout ce que nous enregistrons aujourd'hui, toute cette confiance que les Guinéens sont en train de nous renouveler, il n'y aura pas de problème. Nous pourrons atteindre notre objectif et apporter à la Guinée ce dont elle a le plus besoin, l'unité, la paix du cœur et le développement. Merci beaucoup. Alors, je sais qu'il y a des petits problèmes dans le cadre de campagne. J'ai été chez Mamadou Sylla avant-hier. Ça fait l'objet de beaucoup de commentaires. Il est bon de savoir. Je ne voulais pas revenir là-dessus. J'ai reçu un émissaire qui s'appelle Dr Doré Ousmane, ancien ministre des Finances, qui pense qu'il fallait que la classe politique se retrouve. Il y aurait des malentendus ou des frustrations chez le président de l'USDG, mon ami El Hadj Sylla. Il dit qu'il faut aller régler ça. Je viens donc avec son accord. Je dis bon, je passerai le voir pour lui dire que moi, je n'ai pas de problème et que je suis disposé à contribuer, si vous voulez, au rassemblement de la classe politique. Mais il se trouvait qu'une réunion était convoquée. On m'a dit non, il y a une réunion, il faut prendre part. J'ai dit non, je ne suis pas venu pour une réunion. Je n'ai pas mandat de venir à une réunion. Je suis venu voir El Hadj Mamadou Sylla et j'avais eu le temps de lui délivrer mon discours avant que les gens ne viennent pour dire que je suis disposé, s'il faut rassembler l'opposition, écoutez, de mon côté, il n'y a pas de problème et qu'on peut compter sur moi. Et je pense que c'est une bonne chose, que c'est utile et je suis disposé. Donc c'était ça. Maintenant, on a interprété ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a dit aux gens que je venais à une réunion? Moi, c'est lorsque j'ai quitté Ratoma. J'ai appelé El Hadj, j'ai dit, est-ce que tu es chez toi? Elle dit, oui, j'ai dit, je passe. Et maintenant, il y avait une réunion convoquée, semble-t-il, qui devait me recevoir, mais moi, je n'étais pas venu pour une réunion. J'ai décliné la participation à cette réunion et j'ai quitté. Voilà ce qui s'est passé. Tout ce qui se dira en dehors de ça ne correspond malheureusement pas à la vérité. Je ne peux pas saboter leur réunion. Je n'ai ni l'intérêt, ni rien. Moi, je suis venu pour voir le président de l'UDG, qui aurait des frustrations parce qu'il aurait convoqué une réunion, je n'ai pas participé, et qu'on a donné des motifs qui n'étaient pas des motifs corrects. Je dis non, je n'ai jamais dit ça. En tout cas, merci pour votre patience. On a dépassé l'heure. Je pense qu'il va falloir arrêter ici. Et à la semaine prochaine, je pense qu'on pourra, même si elle reste virtuelle, peut-être qu'on verra s'il y a lieu de l'organiser au siège, au lieu dans le salon étroit. Merci beaucoup. Voilà. Non, s'il vous plaît, l'assemblée n'est pas terminée, je vous en prie. Veuillez vous rasseoir. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Voilà. Monsieur le Président, avant donc de fermer cette assemblée... Votre attention, s'il vous plaît. Avant de fermer cette assemblée générale, je tiens quand même à remercier Mamadou Aliou Koula Diallo, connu sous le nom de Madiba UFDG, grâce à qui M. Kandé nous a rejoint. Voilà, c'est important de le dire. Nous le félicitons
et encourageons les uns et les autres à emboîter le pas au président Sélou Dalein Diallo. Vous savez, les trois dernières assemblées générales qu'il a présidées, il n'a pas manqué de dire que les militants du RPG ne sont pas nos adversaires, ce ne sont pas des ennemis, ce sont nos frères. Il est important que chacun de nous fasse sien ce discours et le pratique. Donc il faut que dans nos actions quotidiennes, que ce discours-là se répercute, que chacun se reconnaisse là-dedans. Mesdames et messieurs, merci. Ça n'est fini pour cette 19e Assemblée Générale. Et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines, comme le président l'a dit, certainement au siège national du parti. We'll be right back.